Salut tout le monde, c'est l'Alchimiste, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo sur Solo Leveling Arise. Alors, c'est ma première vidéo sur ce jeu, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, j'adore ce jeu, et j'ai décidé de faire une vidéo sur la toute première bannière, avec le perso Cha Ain-In. Faut savoir que bon, c'est un perso, on va dire, attribut lumière, si je peux dire les choses comme ça. Mais j'ai hésité parce que bon, bah, il y a la bannière principale. Et sur la bannière principale, on peut tomber sur des persos attributs lumière aussi. Et je me suis dit, c'est con que je fasse un tirage sur Cha, que je la chope, et qu'après je fasse des tirages sur la bannière principale, et que je chope un autre perso attribut lumière. Donc j'ai hésité un peu, mais bon, c'est Cha, j'adore. Hein, dans le manga, j'ai kiffé. Donc je me suis dit, puis en plus, j'ai testé à des potes. Donc je veux l'avoir au moins une fois. Bon, deux fois, ce serait bien. Mais au moins une fois, ne serait-ce que pour l'avoir, déjà, pour commencer. On n'a pas beaucoup de tickets, mais on a beaucoup de fleurs. Alors, on a converti ces fleurs en tickets, comme vous avez vu. Bon, j'ai pas fait toutes mes fleurs, j'ai 20 000 fleurs. Je me suis dit 10 000, ça suffira déjà. Enfin, ça suffira peut-être. 10 000, c'est 40 tickets. Donc, 20 000, c'est 80 tickets. Et bon, évidemment, chat, tu l'as par la pitié au bout de 80. J'espère ne pas en arriver là. Pour l'instant, le premier tirage, c'est pas bien parti. Même si, bon, les deux armes, c'est pas ce qui va nous manquer. Bon, le deuxième tirage, apparemment, il augure rien de bon non plus. Après, je dis ça, mais je me trompe peut-être. Hein. Je commence à peine le jeu, alors. Bon, ok. J'espère en tout cas l'avoir vite fait, que je puisse bien avancer dans le jeu, que je puisse ramasser bien, voilà des tickets. En plus, c'est un jeu où on peut prendre son temps, parce qu'il n'y a pas de multi, il n'y a pas de PVP. Hein. Solo leveling, c'est vraiment, ça porte bien son nom, solo. Hein. C'est vraiment un jeu solo, où on peut avancer à son rythme. Et comme j'ai beaucoup de jeux en cours, bon bah, disons que je fais mes quêtes du jour, et pour l'instant, voilà, c'est tout ce que je fais. Évidemment, je fais mes portails hein, et mes extractions, ça c'est sûr. Et j'avance un peu dans l'histoire. Bah, pour l'instant, de toute façon, tu me diras, il n'y a que ça à faire. Mais voilà quoi, c'est pas comme si je restais des heures sur le jeu non plus. Mais j'adore, hein, j'adore le style de jeu, c'est vraiment mon style à moi. Hein, c'est, j'en ai marre des RPG, j'en ai marre des idoles et tout. Franchement, action-aventure bien bourrin, bien nerveux, c'est vraiment mon truc. Là, ma vidéo tirage, je la fais avec mon portable. Mais principalement, je joue beaucoup aux jeux sur PC. Ouais, sur PC, c'est beaucoup mieux parce que, bon, bah, au niveau de la manipulation, si vous vous servez d'un clavier ou d'une manette Bluetooth, ça peut très bien marcher aussi. Hein. Les deux sont très bien. Alors que sur mon portable, je vous avoue que les missions, les portails et tout, c'est pas que je galère, mais. Voilà quoi, je préfère largement sur le PC. Bon, pour l'instant, les tirages sont vraiment pourris. Hein. Il y a Joe qui vient d'arriver, que j'ai pas. Bon, tu me diras, ça fera un perso. Même si je compte pas trop l'utiliser. Hein, parce que dans un perso lumière, je compte bien avoir Cha. J'ai plus de tickets, il va falloir que j'utilise encore quelques fleurs, malheureusement. Donc, c'est dire au moins que je vais passer la moitié, les 40. J'espère ne pas arriver à 80. Toujours rien. Je suis pas bien récompensé. Hein. Toutes ces fleurs que j'utilise, c'est vraiment pour Cha, hein, rien d'autre. Hein. Eh ben voilà, je crois que la pitié est arrivée. On va voir, on va y aller doucement. Et là voilà. Bon, au moins c'est bon, je l'ai. Bon, j'ai pas eu au bout de 80 tirages, hein. Alors, j'ai envie de dire c'est pas à la pitié, parce que bon. Mais j'ai dû en faire pas mal quand même, hein. J'ai dû en faire une bonne cinquantaine. Hein.
Mais bon, voilà, ce serait bien d'avoir une deuxième fois pour avoir son passif, mais je vais pas prendre le risque quand même parce que voilà quoi. Hein, je suis free to play, je mets pas d'argent dans le jeu, je peux pas me permettre de claquer autant. Mais bon, allez, avant de te quitter, on va quand même faire un petit tirage sur la bannière principale. Si on peut choper un autre perso SSR qui n'est pas d'attribut lumière, ce serait sympa aussi. Comme ça, au moins, ça me ferait deux bons persos SSR à monter pour bien avancer dans le jeu. Ça fait plaisir. Une épée orque, ça, c'est pour mon perso. J'ai masse de tickets, hein. Mais je vais pas faire tous les tickets. Je vais m'arrêter. Dès qu'il y a un SSR, je vais m'arrêter de toute façon. Espérant qu'il tombe vite quand même, parce qu'il faut dire, depuis tout à l'heure, je parle. Non, mais sérieux, on peut l'avoir lui. Parc, on peut l'avoir. Je savais même pas qu'il était dispo dans le jeu. Franchement, je suis choqué. Bah oui, parce que dans le manga, voilà, le mec, bon, j'ai pas envie de spoil pour ceux qui n'ont pas vu le manga ni l'animé. Mais voilà le bonhomme, quoi. Rien. Après, comme perso, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Je sais pas. En tout cas, pas un attribut lumière. Voilà, c'est tout. Après, on verra bien. Ça, c'est un SSR qui arrive. Alors, voilà le SSR. Mais qui vont-ils me donner? Allez, on y va doucement. Alors, voyons qui est-ce qu'on va avoir. All my training's about to pay off, probably. I'll use all my strength. D'accord, Jiwoo. Ouais, non, ok. Perso attribut haut, Jiwoo, ok. Ça me va, je prends. De toute façon, c'était dans mes recommandations. C'était dans mes 4 persos. Enfin, mes 4 persos. J'avais mis 3 persos et une arme. Mais elle était dans mes recommandations. Ok, je suis content. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est bien, on s'en tire pas mal. Hein. Perso lumière, perso eau, perso principal ténèbres, ok. Non, on est bien, on est bien, on est bien. Et puis où que l'on a au début avec les tirages, pas avec les tirages, mais avec les connexions journalières, attribut de vent, ouais. Ça fait une bonne petite escouade nécessaire à monter. Et avec ça, on va pouvoir progresser dans l'histoire et réaccumuler des tickets et refaire des tirages. Donc, bah, j'espère que vous avez autant de chance que moi, mais un peu plus quand même, hein, de ne pas aller jusqu'à la pitié et l'avoir assez rapidement quand même, notre chat. J'espère qu'elle va dépoter, comme promis. Et bon, bah, moi, je vais vous quitter sur la fin de cette première vidéo sur Solo Leveling. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde et portez-vous bien!